Monsieur ? Ma fille Alice habite Miami. Donc vous allez la retrouver ? Où ça ? En Floride, à Miami. Je sais, je suis pas encore complètement gâteux. Qui êtes-vous ? Vous savez bien, ça fait 3 mois que je travaille ici. Faites un petit effort, comment je m'appelle ? Non mais papa, tu peux pas accepter l'idée d'avoir besoin de quelqu'un, parce que moi je peux pas, je travaille là, tu sais. Mais on croit qu'elle est bonne, mais en fait elle est gelée. C'est de ma fille dont vous parlez ? Bah non, c'est l'eau du lac. Elle n'est pas douée pour le bonheur. Ah non, vous vous trompez. Non, Carole, elle prend les coups, c'est sûr, mais elle se relève tout de suite. J'aimerais savoir comment ça se passe au lit avec votre mari. Je ne vais pas recommencer avec ça. Quel genre de caresse vous préférez ? Madame Forgia, vous ne pouvez pas me faire ça ! Je dois vous prévenir, mon père n'aime pas trop l'idée d'avoir quelqu'un pour l'aider. Vous avez eu tort de prendre cette place. Elle ne va pas durer longtemps. Je sais, bientôt vous allez mourir. J'ai l'habitude avec la personne vieille. Quelle chance sommes-nous ? Ça suffit. Tu te rends compte que t'organises toute ta vie pour lui, autour de lui, et qu'il se rend compte de rien? Ah, ma voiture! J'aime bien votre papa. Pourquoi tu veux pas le mettre dans cette résidence? Mais je peux pas, arrête avec ça! Cette fille-là, intéressée, est cupide. Mais putain, mais arrête maintenant, tu fais chier. Ça se dit pas à son papa des choses comme ça. Mais vous savez quoi, adoptez-le, je vous le laisse. Vous avez vu comment elle parle à son papa?